Pestalmenos parateu onoma auto ioani caiologos segeneto caies genusen enemi. Nous avons quitté notre ami Job ce matin dans un état de sérénité invraisemblable, incompréhensible peut-être pour certains d'entre nous. Il vient de tout perdre, toutes ses richesses, toutes ses possessions, ses enfants, et ne monte de sa bouche aucune parole de révolte, aucune parole de plainte, aucune accusation. Il n'accuse personne, ni Dieu, ni les hommes, ni la nature, ni la vie, ni lui-même. Il n'accuse personne. Un état d'équanimité, d'égalité d'âme, hein, psychiquement, comme si le psychisme était vraiment soumis à cette instance contemplative qui est en lui, qui contemple l'essentiel, qui ne peut pas lui être enlevé. La vie, le vivant ne peut pas nous être enlevé. Les formes de vie auxquelles on est attaché peuvent nous être enlevées d'un moment à l'autre. Tout ce qui est composé peut être décomposé. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc cet état d'équanimité, de sérénité, et plus que ça encore de bénédiction. Benedicere, il dit même une bonne parole. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Il est encore dans la louange de l'être. L'être ne lui est pas enlevé. Le vivant ne lui est pas enlevé. Et il demeure dans cette conscience de l'être. Il est bien vraiment comme un arbre de vie, bien dans son axe. Et il, bon, c'est vraiment un grand sage, un grand saint, hein, dans le sens où on peut l'imaginer. La question maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? Parce que je crois qu'on a tous connu de ces moments de sérénité invraisemblables, au moment d'un deuil, par exemple, des deuils très pénibles. Sur le coup, on assume, et devant la famille et tout ça, mais vous le savez bien, que ce deuil qu'on assume de façon exemplaire, il continue à nous travailler. Et là, va être peut-être source de maladie, de somatisation, et ça va être quelquefois quelques années plus tard ou quelques mois plus tard que ça va être difficile, que l'angoisse va venir, que d'une certaine façon, on prend conscience de ce qui nous a été arraché, enlevé. Donc chez Job, il y a une conscience de l'être dans la plénitude, quand toute
va bien, quand on est heureux, et il y a une conscience de l'être aussi dans le manque. Tout lui est enlevé. Hein? Manque et plénitude, hein, sont deux états de conscience transitoire, passager, et que ce soit dans la plénitude ou dans le manque, il éprouve, hein, cette réalité de l'être. Ce que j'ai oublié ce matin, c'est peut-être le caractère le plus juif de Job. C'est-à-dire qu'avant de parler, vous savez, dans la tradition juive, avant de parler, il y a toujours un geste. Et là, il ne faut pas oublier ces gestes. Vous vous souvenez, donc, il y a cette série noire qu'on lui annonce. Ton bétail, tes richesses, tes maisons, tes enfants, hein, tout cela a disparu. Hein. Seul, j'en ai échappé pour te l'annoncer. Et j'ai oublié de vous rappeler ce matin que Job se lève, donc il y a un geste, il se tient debout, il fait face, hein, il se lève, il s'élève. Et debout, il déchire son vêtement. Il déchire son vêtement et il se rase la tête. Puis il se jette à terre. Il adore et il dit, donc sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que le nom de Dieu soit béni. Mais il ne faut pas oublier ces gestes. Et là nous sommes dans une tradition, je trouve intéressante, où avant d'aller au-delà de la douleur, il faut l'exprimer. Et c'est dans ce sens-là, je vous disais que c'est un livre thérapeutique. Avant de pardonner, on a le droit d'être en colère, de réclamer la justice. Avant d'être dans la sérénité, on a le droit d'être blessé, d'être déprimé, d'être dans la douleur. Et il s'agit donc d'exprimer. Là, c'est le rituel du deuil dans la tradition hébraïque. Donc ce rituel, est, je trouvais intéressant, d'abord se lever. On se tient debout devant l'épreuve. Stabat Mater, elle se tient debout, la mère. Vous savez, ces beaux Stabat Mater de Vivaldi, de Pergolèse, la femme qui se tient debout, le psychisme, la psyché qui se tient debout face au meurtre de l'innocent, face à l'absurdité, se tenir debout. Et ensuite, déchirer son vêtement. Vous savez que le vêtement symbolise le statut social. Dans beaucoup de cultures, effectivement, on reconnaît le niveau social de quelqu'un d'après son vêtement. La façon de s'habiller signifie, symbolise un peu le milieu auquel on appartient, le milieu dans lequel on se trouve. Donc déchirer son vêtement, c'est dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui nous sort de la société, qu'on n'appartient plus à un milieu. On n'est plus riche, on n'est plus un riche, on n'est plus un pauvre. On est quelqu'un qui vient de perdre ses enfants, quelqu'un qui est dans la détresse. On n'y a plus ni riche ni pauvre. La mort, la calamité injuste qui nous tombe dessus, là, on n'a plus de vêtements. On n'a plus de statut social. C'est important de se rappeler ce déchirement du vêtement. Donc, on n'appartient plus à la société. Donc, c'est une façon de dire, laissez-moi tranquille. Ce que je vis, je ne peux plus faire mon travail. Je ne peux plus retourner au bureau, je ne peux plus... Quand je pense qu'aujourd'hui, on a droit à 3 jours dans certains milieux, 3 jours pour faire le deuil d'un père, d'une mère, d'un enfant. Après, il ne faut pas s'étonner que ce soit le corps qui fasse le deuil. Donc, prendre le temps du deuil. Chez les thérapeutes d'Alexandrie, vous vous souvenez, il y avait cette maison du deuil. Cette maison du deuil, c'est quand même plus que 3 jours. Certains diront 40 jours. Enfin, le temps d'arriver à maturité, ce n'est pas le même temps pour chacun. Mais il y a un temps pour faire son deuil. C'est-à-dire, je me donne le droit... socialement, de ne plus pouvoir fonctionner. Là, je suis blessé, touché. Et avant de bénir, avant de célébrer ce qui m'est arrivé, si c'est possible, avant de repartir en avant, j'ai droit à ce temps de deuil. C'est pour ça que chez les thérapeutes, c'est important, cette maison du deuil. Cette maison où, bon, que ce soit le deuil, bien sûr, d'une personne qui nous était chère et qu'on a perdue, mais ça peut être le deuil d'un métier. Au moment de la retraite, surtout quand on a une fonction importante, c'est important de prendre un temps, je dirais, pour voir qui on est, ce qu'on veut faire du peu de temps qui nous reste. Ça peut être le deuil d'une relation. Ça ne fait pas suffisamment le deuil d'un divorce.
Et si on ne fait pas ce deuil de la divorce, on va se retrouver dans la même situation. On va retrouver le même type d'homme, le même type de femme. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'accepter que celui avec qui on était, eh bien, on n'y est plus. Et que peut-être il y a une autre façon de vivre à trouver. Peut-être il y a un autre type d'homme, un autre type de femme à découvrir. Et que ce type d'homme, ce type de femme convenait à une étape de mon existence. Et que arriver à une autre, c'est plus possible. Ça, c'est quelque chose que quelquefois il s'agit d'observer. Mais prendre le temps de ça. Déchirer le vêtement, le tissu social, le tissu de relations.